Bonjour à tous, c'est Biodog. Alors aujourd'hui, au lieu de commencer directement la vidéo qui est prévue avec les longes en biothane, je suis heureuse de vous présenter le parking du magasin. Donc je vous invite à venir voir, voilà, le parking de voitures. Donc c'est quand même plus pratique pour se parquer vu que la route est étroite. Et maintenant, nous allons partir pour faire la démonstration et la gestion de la longe en biothane. À tout de suite. Nous voici arrivés pour faire la démonstration avec la longe en biothane. Donc on a mon complice Ayem qui va se faire un plaisir de faire aller la longe à droite, à gauche et de se promener. Donc comme ça on aura facile de montrer à quoi ça sert exactement et comment gérer la longe en biothane. Alors dans les vidéos suivantes aussi, il y aura chaque fois des conseils, des petits moments de vie de Biodog, parce que Biodog c'est un magasin, c'est des articles, d'accord, mais il y a aussi toute une vie autour avec mes toutous et donc je compte vous en faire profiter. Donc voilà, ça va être un petit peu plus vivant et différent. Ceux qui veulent me suivre, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker parce que ça fait toujours plaisir, les commentaires aussi. Donc voilà, on va démarrer avec Ayem. Ayem, yep. Alors, il avance, je montre ce que ça fait avec une laisse désorganisée. Donc si j'ai ma laisse qui est comme ça, et puis j'essaye de la reprendre. Viens, viens, viens. Allez, viens mon loulou. Hop. J'ai ma laisse qui est désorganisée, je vais avoir une longe qui traîne partout et ne pas savoir comment la rebobiner. C'est ce que je vois fréquemment lors de balades. On est emmêlé, on a des nœuds, quoique le biothane, ça ne se mêle pas vite. Mais voilà, disons que... voilà, disons que c'est pas toujours évident. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est Ayem va. Viens, Ayem, viens mon loulou, tiens. Oh là là, les bonbons. Viens, viens chercher les bonbons. Voilà. Vous voyez que c'est pas du préparé, hein, c'est vraiment pour vous montrer en milieu, voilà, tout à fait naturel. Le chien qui s'éloigne et Ayem, viens par ici. Il y a une super odeur par là, j'en suis sûre. Viens. Voilà. Donc maintenant, j'organise ma longe. Alors, je vais l'organiser ma longe comme ceci, en prenant tout simplement, je fais un 8. Voilà, je fais un 8. Viens, Ayem. Viens mon loulou. Allez, viens. Je fais un 8 avec ma longe. Le chien revient vers moi et je vais un peu plus vite. De cette manière, je n'ai pas de nœud. Et dès qu'il s'éloigne, eh bien, je vais pouvoir facilement dérouler, laisser glisser la longe dans ma main. Et dès que le chien revient par là, je vais pouvoir rebobiner facilement. Ayem, allez, on y va. Allez, hop, 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 hop. Allez, cours, mon loulou. Voilà, je déroule. Ça va tout seul. Donc voilà, ça se déroule facilement. Et puis, je m'approche de lui. Au lieu de laisser aller la longe dans tous les sens et s'en mêler, je la reprends comme ça. Voilà, facilement. Comme ça, je gère ma longe. Je ne forme pas des nœuds. Dès que le chien s'éloigne, hop, je peux dérouler même d'une seule main. Et j'ai besoin de ma deuxième main, évidemment, pour repositionner ma longe correctement. Et même au lieu de faire le 8, c'est tout simplement comme ça. Hop. Voyez le mouvement, je le décompose bien. Et c'est assez simple. Voilà. Maintenant, quand on veut travailler autre chose avec le chien, par exemple la semi-liberté, où on va laisser la longe au sol... À ce moment-là, dès que le chien s'éloigne et que je veux le bloquer, il me suffira de mettre un pied sur la longe. Pourquoi le pied? Parce que si on s'abaisse, et qu'au moment où on s'abaisse, le chien tire très fort, eh bien évidemment c'est la chute. Parce qu'ici c'est encore un petit chien, il ne fait que 15 kg. Mais même 15 kg, je vous assure que si j'attrape la longe en plein moment où il tire fort, je vais perdre l'équilibre et tomber en avant. Donc voilà, avec ça, on va être prudent. Voilà, si vous avez des questions concernant la longe, la matière biothane, voir un peu ce que ça coûte, vous pouvez aller voir sur la boutique en ligne, biodog.be. La page Facebook est quand même assez pratique aussi pour pouvoir poser des questions.
Et en description, ici en dessous de la vidéo, vous pouvez retrouver toutes ces informations, comme le site internet, la page. Et alors, je vous invite vraiment à liker, à vous abonner. Et à côté de abonner, il y a une petite cloche. Si vous cliquez dessus, vous recevrez comme ça les notifications. Chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, eh bien, vous pourrez alors suivre tout ce qui se passe. Et puis voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures dans la vie de Biodog au quotidien. Voilà, il y aura une vidéo de temps en temps. Donc ce ne sera pas fréquent, une par semaine, etc. Ce sera une de temps en temps. Et si vous me suivez en même temps sur Facebook, eh bien, vous serez avertis parce que ce sera chaque fois partagé. Mais ce qui compte beaucoup, c'est la chaîne YouTube. Donc vraiment, je compte sur vous. Partagez à vos amis et... C'est impeccable. À bientôt.